toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au chalet d'un monde de jeu pour vivre une aventure extraordinaire. Nous allons explorer des donjons. Est-ce qu'il y a des donjons dans le jeu? Je ne suis pas certain. Je vais poser la question directement aux créateurs du jeu qui sont présents autour de la table. Donc on est ravis de vous accueillir. Bonjour Clément. Bonjour. Tu es l'éditeur de Gameflow. Oui. L'un des éditeurs de Gameflow. Et vous avez publié ce jeu qui est signé par Jean-Philippe Sahut. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. On est ravis de t'accueillir ici pour nous raconter cette belle histoire. Alors, est-ce qu'il y a des donjons à l'intérieur de Dor Dragon d'Or? Et non, c'est une caverne. C'est une caverne, mais peut-être qu'il y a des donjons pas loin. Certainement. Quand on a fini l'aventure, quand on a vécu quelque chose d'extraordinaire à la recherche des trésors, en rencontrant ce dragon que vous voyez sur la boîte et qui est dans la boîte que nous allons découvrir. Bonjour Aline. Bonjour, bonjour à tout le monde. Je suis ravi que tu sois venu au chalet pour vivre cette aventure avec nous. Ça nous fait vraiment plaisir, hein, sache-le. On va découvrir un jeu pour enfants. Aline, c'est notre spécialiste des jeux pour enfants. Donc, tu es la bienvenue dans cette vidéo. Bah, je te remercie. C'est un jeu de société dans lequel on va vivre une aventure et qui fait un petit peu appel à la mémoire. Un petit peu. Un petit peu. Mémoire, les fouilles. Un petit peu beaucoup. Mais pas que. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'ambiance dans ce jeu. On cite le nom de l'illustratrice également qui contribue à faire cette ambiance. C'est Élodie Bénard. Tout à fait. Élodie, avec qui on avait travaillé sur un de nos livres, Ma première aventure, au Wolof, dont Jean-Philippe était aussi l'auteur. Exactement. On vous cite Ma première aventure aussi, parce que Gameflow, vous connaissez probablement cette maison d'édition. C'est une maison d'édition qui ne fait pas que du jeu enfant. Vous avez quelques autres jeux dans votre catalogue, mais vous avez une expertise. Et en tout cas, on peut dire. Bah oui, vous êtes. Quand on parle de Gameflow, très souvent, on nous dit ah bah oui, c'est eux qui font les livres Ma première aventure. C'est un énorme succès commercial. Ouais. Ouais, et puis il y a quelques jeux pour enfants aussi dans votre catalogue, dont celui-ci fait partie. Jean-Philippe, tu as aussi travaillé pas mal sur mes premières aventures. J'en ai fait un, oui, en effet, ouais. Au Wolof. Ouais. C'est le quatrième. C'est l'avant-dernier. C'est le septième. Septième. C'est le septième avant-dernier. Hyper au point sur tous les. Ouais. Je vais tenter des trucs encore comme ça, vous allez voir. Non, mais il y en a huit. Maintenant, il y en a huit. Ouais, c'est l'avant-dernier. Ouais. Celui qui est sorti à peu près. Et pareil, des mondes avec des animaux anthropomorphes, etc. etc. Alors, on va découvrir ça. Comme d'habitude dans nos vidéos, on va vous expliquer le jeu. Vous saurez y jouer après avoir regardé la vidéo. Puis, on ne va pas se gêner, on va jouer. Ah bah, bien sûr. On a installé le jeu. Comment ça fonctionne, Clément? Alors, donc, dans le Dor Dragon d'Or, nous sommes des petits aventuriers. Et on va chercher dans le trésor d'un dragon endormi plein d'objets. Donc là, on a le dragon endormi. Donc, là, il est endormi. Il avait l'air très réveillé, ce dragon. Ouais, ça donne pas envie d'aller clairement. Il est endormi. Donc le dragon endormi est ici le trésor du dragon avec plein d'objets à l'intérieur. Donc nous, devant nous, on a disposé 5 petites cartes qui sont pour l'instant face cachées. Oui. Sur chacune de ces petites cartes, j'en montre une, on a des objets, différents objets. On va devoir les apprendre, cacher notre frise, et ensuite on va lancer un sablier d'une minute trente, et on doit fouiller dans la boîte pour trouver les objets en question. Alors, dans la boîte, on a plein d'éléments. Il y a plein de choses. Hein. On voit les trésors, hein, mais c'est pas ce qu'on cherche. On cherche les objets, plutôt. Voilà, ça, c'est un objet. Ouais. Au dos, bah, on a des pièces, en fait. Hein. Les pièces sont là plutôt pour nous déranger, pour nous perturber. Voilà. Et donc, en 1 minute 30, on va fouiller tous en même temps. Hein. On met tous nos mains, on a même le droit de mettre les deux mains dans la boîte, prendre des objets, et quand on pense qu'on a pris le bon objet, on doit le mettre sur la bonne carte. Mmh. Ouais. Donc là, moi, je vais devoir en récupérer 5. J'en fiche 5. Enfin, chacun 5. C'est un jeu coopératif. Notre but, ça va être de récupérer tous les objets de tout le monde. Donc ça, c'est relativement simple. Mais c'est que la première manche. Il va y avoir une difficulté. Plus on va avancer dans le jeu, je te propose de ne pas l'expliquer tout de suite. Hein, non, les autres manches. C'est ça. Mais ça va se complexifier un tout petit peu. À la fin de chaque manche, une fois que le sablier s'est écoulé, on va regarder si on a réussi ou non à sélectionner les bons objets. Ouais. Là, par exemple, ça n'est pas le bon objet. C'est donc une erreur. Malheureusement. Malheureux. Si jamais on n'avait pas sélectionné d'objet, c'est aussi une erreur. Hein. Il faut vraiment trouver le bon objet pour chaque carte. Pour chacune des erreurs faites par n'importe quel membre de l'équipe, si par exemple à la fin de la manche on a fait 3 erreurs globales, eh bien on va avancer cette petite bulle sur le dos du dragon de 3 crans. Voilà. Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, hein, il y a 3 manches. Hein. Voilà. On rappelle qu'il y a 3 manches. Donc faire 3 erreurs au début, c'est déjà beaucoup. Eh oui. Parce que si à la fin du jeu, enfin si à n'importe quel moment du jeu, on fait suffisamment d'erreurs pour arriver ici, alors le dragon se réveille et là il faut soit on fuit soit on est mangé, enfin c'est à peu près les deux options, hein. Donc on a perdu, brûlé, voilà.
Et il y a une dernière petite subtilité que j'ai pas dite, c'est que sur les joues, tous les joueurs de la table, il y en a un qui a un rôle spécial. Donc là, en l'occurrence, sur cette première manche, c'est Jean-Phi qui va avoir le rôle du guetteur. Donc le guetteur, lui, il a le rôle difficile de surveiller que le dragon ne se réveille pas. Bah oui, parce que s'il se réveille, bah, il faut quand même réagir vite. Il est gentil, ce dragon. Il passe de dos. Ouais, voilà. Il fait peur un petit peu quand même, mais il a l'air gentil. Et donc, Jean-Phi, lui, il va être obligé... C'est lui qui va retourner le sablier, il va le surveiller, il peut nous donner des informations sur le temps qui s'écoule, hein, et il doit nous dire stop quand c'est terminé. Mais il n'a pas l'autorisation, il ne doit pas toucher les tuiles. Donc, il n'a pas le droit de fouiller dans la boîte. Ouais. Et il n'a pas le droit non plus de placer les tuiles devant lui sur la bonne carte. Donc, il doit nous indiquer les objets dont il a besoin, et l'endroit aussi où on doit les poser. Mmh. Voilà. Parce qu'il tombe bien, parce que là, on est dans une configuration où on tourne une vidéo, donc on ne va pas pouvoir se mettre tout autour de la table comme on le fait normalement autour d'une table. On est en face de la boîte. Mais chez vous, n'hésitez pas à jouer normalement. À vous mettre tout autour de la boîte. Première étape, on va choisir un des personnages. Donc ça, c'est ta fille, tu nous as dit. Oui, c'est ça. C'était décidé avant, il y a eu un choix dans l'élaboration du jeu, que les personnages correspondaient un petit peu à ce que vous préfériez, ou alors c'est au moment où le jeu est arrivé, là vous avez dit ça vraiment clairement. Au moment où le jeu est arrivé, on a décidé de mettre des animaux, donc ils m'ont demandé ce que j'avais envie comme animaux. Et j'avais déjà mis l'ours, le raton laveur, et bon c'est pas un renard, c'est une souris, mais dans Ovalef aussi, chez eux. Oui. Et c'est pareil, c'est... Question de clin d'œil. C'est le troisième, hein, voilà. C'est ça, En partant de la fin, si on... Ouais. Enfin bon. En partant du prochain. Voilà. Et ben, alors, choisis, tu veux quoi, toi? Vas-y, moi, je vais prendre l'ours. L'ours, ah, toi, tu es... Allez, moi, je vais prendre la grenouille. Ah, c'est le tien. Ouais. Moi, je vais prendre l'aigle, cette fois-ci. C'est un aigle ou c'est une... Corneille, corbeau. Corneille, ouais. Non, c'est un aigle. C'est quoi? C'est moi qui l'ai pris. On a nos personnages. Ensuite, deuxième étape. Il va falloir mémoriser, et alors là, il y a le stress de la vidéo. Je sais que les gens ne retiennent rien quand on fait des vidéos. On va voir si vous êtes capable de vous souvenir des différents éléments. Allons-y. Et vous pouvez regarder chez vous, hein, pour voir si quelqu'un arrive à s'en sortir correctement. Vous m'avez dit qu'il y avait deux écoles. Il y en a une où on a le droit de déplacer des éléments, et une où on n'a pas le droit. La vraie règle, t'as pas le droit de bouger les trucs. T'as pas le droit de bouger les choses. Ouais. Permissif. Ouais. Et on a le droit de regarder les tuiles des autres si on veut, par contre bah, c'est tout de suite plus dur de retenir tout. Hein. Est-ce que tu pourrais te taire? Oui, non mais c'est pour c'est vous aider. Non, c'est pour qu'on réussisse aider, la vidéo qui est une bonne ambiance. C'est l'histoire d'un chevalier qui a une épée, un bouclier, mais qui en fait voulait faire des potions. Je vous le dis pour quand ce sera plus mon tour. Ah d'accord. C'est bon, j'ai le droit de secouer maintenant. Ah moi j'ai tout oublié. J'ai le droit de secouer maintenant. Oui, vas-y, secoue. Ah. Non, parce que tout à l'heure, j'étais très frustré. Vas-y. C'est bon, elle est partie. C'est parti! Faut la chaussette. Si vous avez la chaussette. Ah non, ça plus, on est concentré. Et le casque avec les gros yeux rouges. Ah, ça c'est à moi. Ah, ça c'est à moi aussi. Ça, je crois j'ai que ça pas écouté. Chaussette. T'as dit chaussette, mais j'ai pas écouté. Chaussette, le casque avec les gros yeux rouges, les rubis. Ah ouais, je non, ça c'est le mien. Je peux pas toucher les trucs. Ah ouais, celui-là, là, là, celui-là, là, il est où? Bah, j'ai aucune chaussette. De mes cartes. Il y a peut-être pas cette carte. Mais il y a quoi d'autre que je les ai vraiment oubliés en plus. Ça, oui. Le bouclier. Lequel? Le rond? Le rond, ouais. Ah bah, parti. On vient de me le faire. Ah bah, le deuxième. Et toujours mes chaussettes. Mais on n'a pas vu de chaussettes pour l'instant. Ah, t'avais deux chaudrons, ouais, Aline. Ouais, j'avais deux chaudrons, j'avais une histoire aussi. Ah, chaussettes. Toujours pas vu de chaussettes. Moi, je vois rien, hein, dans les autres. Chaussettes, là. Je suis complètement individualiste, là. Là. Si vous voyez un cadre photo. Moi, je cherche la choufette. Si vous voyez un livre. Un bouclier rond en fer. Un bouclier rond. Un cadre rond en fer. On a la moitié du temps. Ah, c'est ça, là. Donc, plus de la moitié. Okay. Qu'est-ce que je cherche, moi? Enfin, ouais. Ah, la pièce. Ah, la grosse pièce ronde. Ouais. Oui, c'est pas, pas les petites pièces. Allez, ah, le bouclier. Je sais plus ce que j'ai. Là. Et où le bouclier? Quelqu'un a vu le livre? Je sais plus. Parce que franchement, le livre... Ah, merci. C'est bientôt, bientôt la fin. Je crois que c'est l'autre. Il vous manque quoi? Ouais, c'est bon. Est-ce que tu veux que quelqu'un cherche quelque chose pour lui? La fin, bientôt. Tiens, on va mettre des trucs au hasard. Non, c'est pas du tout ça. 5, 4, 3, 2. Ah, c'est ça, je vais mettre plutôt. 1, top. J'ai eu un changement de dernière minute. Mais je suis pas sûr plus du tout de mes cartes. J'ai mis des trucs au hasard, du coup. C'est-à-dire que je me souviens plus de rien. Ouais, je me rappelais plus de rien, c'est affreux, quoi. Bah, c'est un jeu de société, hein, c'est pas si affreux que ça. On va. Les illustrations sont plutôt réussies, moi, je trouve.
Tu penses que l'auteur a fait un boulot pas top? Non, mais je peux vraiment accuser le stress de la caméra. Alors, je vais décaler la boîte. On va regarder un petit peu si vraiment... Moi, il s'est passé des trucs. Là, par exemple, à la dernière seconde, je me suis dit, mais c'est pas cette chaussure-là au fait, parce que j'avais placé une chaussure en fer et... Ah, en effet, c'était une botte de cuir. Oui, ben oui. La clé. La cuillère fourchette. On l'appelle la cuillère fourchette. Le casque. Et la pièce est un sans faute. C'est voilà. Un sans faute pour. Ça serait Martin. Pas un coopératif. Moi j'ai une erreur. J'ai une erreur. Bah, c'était pas le bon livre. Je le savais. J'ai jamais trouvé l'autre. Ouais, bah des fois ils sont bien cachés. Donc là moi je suis plutôt bon aussi. C'est aussi un sans faute ici. Et alors là. Donc là. La chaussette. Là on est bon. Ouais, la chaussette, ça on l'a entendu la chaussette. Là on est bon. J'ai jamais vu ça. Alors ça. Mais ça c'est Clément qui a mis au hasard. Donc, c'est pas de ma faute. Écoute, j'ai fait ce que j'ai pu. Ah c'est l'armure, c'était pas le bouclier. Il était là le bouclier. Mais non mais. Vous avez trois erreurs ici, une erreur, ici. Désolé. On est donc à 4 erreurs. Et c'est énorme, non, pour c'est un premier tour. Pour un premier. C'est pas mal. Après le premier tour, souvent on découvre nos frises et c'était fois un peu dur. Ah bon. Mais les suivantes, on a connu. Bah c'est facile, moi. Tu sais, j'ai pas. Et toi, t'as pas de stress de caméra. Ouf. Alors, on va passer à la deuxième manche. C'est le tout moment où il y a de petites surprises. On choisit déjà si on va faire. La première chose, d'abord, on remet toutes les tuiles dans la boîte. On ne doit pas toucher. Enfin, on garde les cartes, hein, puisqu'on garde les frises. Hein. L'idée du jeu, c'est qu'on va enrichir ces frises au fur et à mesure, mais on n'a pas besoin de les réapprendre à chaque coup, puisque c'est toujours la même sur laquelle on se base. Voilà. Moi, j'ai pas mal retenu là ce coup-ci. Ensuite, on récupère une nouvelle carte. Qu'on place où on veut. Merci. Dans sa frise. Chacun regarde une nouvelle carte et on la place où on veut. Voilà. On peut le faire de manière logique ou on peut le faire juste au bout parce que c'est plus simple ou dans l'autre bout. Chacun fait un peu comme il veut. Ok, je vais le mettre ici. Donc ça me paraît logique. Ensuite, le guetteur va tourner. Donc, va peut-être aller sur Aline. Ok. Comme ça. On mettra plutôt la boîte entre nous trois. Et la chose suivante, c'est que Aline, tu vas devoir choisir entre un rêve ou un cauchemar. Ce sont des petites règles qui vont modifier légèrement les règles de la partie, enfin de la manche. Donc on peut prendre le cauchemar qui nous permet de regagner tout de suite une écaille sur le dos du dragon. Donc ça c'est mieux. Voilà, d'être un peu. Ce serait peut-être un peu nécessaire. Mais les règles sont un peu plus difficiles. Ça c'est moins bien. Vous êtes fort. Donc Aline, c'est toi qui as la lourde responsabilité de cette tâche. Okay. On va gagner du coup directement. Donc, avec le gros risque d'être ridicule dans la vidéo qu'on est en train de faire, parce qu'il n'y aura pas deux vidéos, hein, on va pas refaire le jeu. Non, si on perd lamentablement. Donc la règle s'appelle partage. Le partage, on va prendre les deux extrémités. Oh non! On va les donner à notre voisin de gauche et de droite et on va recevoir celui de notre voisin et de gauche et de droite. Voilà. Il va les mettre à l'extrémité aussi ? Bah oui, voilà. Du coup, la tienne qui était là vient ici au début de la mienne et la mienne vient là. Oh là là ! De chaque côté. De chaque côté. Je te dis ce que c'est ? Non, moi je m'occupe de ça. Mais moi je pourrais pas le faire. C'est pour Aline au début. Ah, ça c'est pour toi Aline au début. Donc c'est un œuf tacheté jaune, pas rose. Jamais vu. Et celle que tu m'as donnée là ? Et c'est un livre. Mais pas un livre tout foutu, un beau livre bien relié avec une reliure. Okay. Enfin, te plante pas, quoi. Ici, c'est pas. Ça a pu arriver, ça a pu arriver. Je t'ai donné le bouclier. Le bouclier Bouclier en fer. En fer. Rond. En fer rond. Et toi, c'était. Ah, j'en sais rien. T'as une chaussette ici. Tu verras, je te mettrai le truc. Vous êtes en train de me perdre là. Ça va. Allez, moi je suis prêt. Je pense qu'il faut y aller. Ouais. Avant qu'on oublie tout. Attention. 1, 2, 3, c'est parti. Alors faut que tu caches le tablier, Aline. Faut qu'on le voie, nous. T'avais ça, hein. Ouais. Et t'avais ça. Ah bah du coup, c'est là-bas chez Aline. Tu m'as donné quoi, en fait, même. Parfait. Tiens, t'avais des chaussures, je crois. Bah... Martin, n'oublie pas ton œuf. Martin, ta pièce. Moi, j'ai besoin de deux chaudrons. Si vous savez. Deux chaudrons, une épée et un bouclier. Deux chaudrons, une épée et un bouclier. T'avais ça, non? Il y a un chaudron là. Ouais, il y a deux chaudrons, il me faut. Il y a une chaussure en fer, ça me semble que ça plaît à quelqu'un. C'est toi, je crois. Tiens, ça c'est pour toi. Ah, tiens, Aline, ça tu l'as déjà eu, pardon. De toute façon, je vais devoir le prendre en plus. Ça me rend le cran. Ton bouclier est rond, là, il y en avait un. La carte, qui avait la carte? Là. Tu peux comprendre qu'il y avait une carte? Ah non, mais la chaussure en fer, c'est moi. J'ai toujours besoin de deux chaudrons et une épée. Et moi, j'ai besoin. Moi, il y a un. On n'a pas fini.
Ah, c'est ça, tu m'as donné quoi, ouais, Lynn, déjà? Je t'ai donné un livre. Ah, le chaudron. Ah oui, le livre. Le chaudron. Chaudron. Alors, un deuxième chaudron, ce serait cool. Un deuxième chaudron et une épée. Moi, c'est le livre. Je cherche un os. Je cherche le livre. Martin, tu peux l'avoir. Il reste 20 secondes. Le joli livre. Cool. Même moins, peut-être. Et c'est le bouclier là, t'es sûr que c'est bon? Allez, il pense quoi? Un bouclier et une épée. Un bouclier et une épée? Lequel de bouclier? L'épée cassée. C'est pas d'épée? Ouais, ouais, celle-ci. Tout ça. Le bouclier comment tu veux? Bah, l'autre. Non, pas une épée cassée, une épée normale. C'est terminé! C'est moi qui ai l'épée? Non. Il y en a qu'une d'épée? Ouais. Bah, t'as acheté l'épée cassée? Bah, je pensais pas qu'elle était cassée. Allez, bah, on vérifie. Mais quel drame! Vérifie si c'était l'épée cassée? Elle achetait l'épée qui était bien placée. Non. Ça coûtait rien de la laisser. Bon, ok. J'avais pas percuté qu'elle était cassée. Alors, donc, tout à l'heure, c'était la bonne. On vérifie tout. Donc, celle-ci, ok. Là, c'est bon. C'est bon. Bah là, c'est pas bon. Il nous a manqué le chaudron. Mais oui, on l'a pas trouvé. Mais on en a trouvé qu'un. Ça fait les deux chaudrons. Ouais. Et ouais, c'est incroyable. Deux chaudrons de suite. Donc, la cuillère, évidemment, c'est moi qui l'ai mise. Donc, forcément, c'est bon. Le casque, c'est bon. La chaussure, c'est bon. La pièce aussi. Ah, ici, c'est un sans faute. Non, c'est une belle série là. Oh là là. Et ben, si normalement, je pense que je suis bon. C'est bon, j'ai fait une première mauvaise manche, mais je me suis rattrapé. Et donc, on aurait deux erreurs seulement. Je m'avance, on est bon. Ouais. Donc, on va encore avancer deux. Et là, il y a un sacré défi pour la dernière manche. Ouais. Puisqu'il nous reste combien de crans? On a le droit à une, deux erreurs. À la troisième, le dragon ouvre le bec. C'est le terme, hein, je crois. Et c'est la catastrophe. Alors, pour notre vidéo, c'est compliqué de ne pas avoir quelqu'un sur l'extrémité. Normalement, c'est tout le monde qui devient guetteur à son tour. Là, je vous propose peut-être de repasser à Jean-Philippe en tant que guetteur. Ouais. Il nous a pas non plus montré que c'était le meilleur des guetteurs, même sur la première manche. Mais donc, quand même, on reçoit un nouveau, hein, une nouvelle carte. Hein, ouais, j'espère qu'elle est bien. Hein. Ouais, super. Oh, bah, casque bélier. Je vais le mettre là. Ah bah, rigolo. On fait un rêve là, peut-être. Oui, un petit rêve. Un petit rêve. Voilà. Parce que ça va être plus facile en plus. Peur du noir. Ça va. Donc là, on a peur du noir, la caverne se plonge dans l'obscurité. Et donc, les fouilleurs, c'est-à-dire tous les trois, avant de prendre des objets et de les placer, on va être obligé de trouver un objet spécial qui est une torche, que vous avez peut-être vu qu'il y en a dedans. Et il faut la... Voilà, il y a des torches qui ne servent qu'à ça. Quand vous la trouvez, vous devez la tenir au-dessus de votre tête pour vous éclairer pendant tout le reste de la manche. Oh, c'est donc on doit la faire en premier. Oui. Ah, d'accord, ok. Tant qu'on n'a pas de torche, on n'a pas le droit de prendre d'objet. D'accord. C'est logique. Bah, c'est trop noir. Ça me paraît très logique. Il fait trop noir. T'es prêt? Parti. Ah, une torche. Ah bah, mais moi, j'en ai une. Alors. Le casque est en notre paiement là. Super. J'ai une torche. Mais bon sang, parce qu'il y a des torches. Casque et corne, le sac. Elle est là, il est là le bouclier ou pas? Non, pas celui-là. Non, le casque et corne de bélier. On a un deuxième. Ah non, pardon, le bouclier. Vous avez votre torche, t'as ta torche toi? Non. Le livre, le livre fancy, joli joli. Tu l'as vu? Non, enfin il me semble avoir entrevu. Tiens, ça c'est pour moi. Casque et corne. Casque et corne là. Les chaussettes. Il y avait un cadre, quelqu'un avait un cadre. C'est moi. Non, là, c'est pas grave, je changerai après. Il y a une chaussure à faire. Est-ce que quelqu'un la veut? Non, t'as raison. Bon, bah, je la prends. Là, le casque avec les gros yeux rouges. J'ai besoin. Le casque avec les gros yeux rouges. Et avec la flèche dedans. Si vous trouvez des chaudrons là. Ouais, super. Le bouclier avec la flèche. Ouais, il y a une première phase, je me concentre sur moi. Le casque avec les gros yeux rouges. Là, le casque avec les gros yeux rouges, le sac il est là à la place du truc. Faut intervertir. C'est la moitié du temps. C'est quoi? Là, il faut les chaussettes, les fameuses chaussettes. Mais t'es pas là ma chaussette? Mais j'avais une paire. Ah, t'en as la paire? Oui, je l'ai eu après. Ah, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Il reste la fameuse épée. La fameuse épée là. Arrêtez, vous allez faire mon truc. Oh. Qu'est-ce qui te manque, Aline? L'épée. 3. Cassée. 2. J'ai jamais trouvé ma cuillère. Ah, mais faut que j'arrête de chercher la cuillère. Top. Oh, mais sans déconner. J'ai cherché une cuillère en déplomb, mais tu l'avais déjà placée. Oui, mais il y en a deux. Il y en a deux. Mais non, mais moi j'avais que je mette ce autre truc, donc j'étais concentré sur ma cuillère et j'ai pas cherché mon œuf rose. Je continue à tenir la lumière. On peut jeter la torche, c'est bon, c'est bon. On sort à la lumière là. Oh, mais elle est où? Je pense qu'on s'en sort pas mal. Hein. Ah, mais je suis frustré là, j'ai pas eu mon œuf. Il est où cette pierre? Il est là.
Voilà, de sûr, il y a une erreur. Donc, déjà, on va déplacer le... Ça va pour l'instant. On a encore le droit de faire une deuxième erreur, mais à la troisième, ça va être la catastrophe. Hop, je pose ça en dessous et on va regarder. Allez, on vérifie. On va vérifier. Dans l'ordre, s'il y a la moindre erreur, vous me le dites, hein, mais pas trop fort. Chez moi, donc, une seule erreur. Moi, c'est un sans faute. Bravo. Ouais, cool. Ouais, pas de faute. C'est bon. Bravo. Et même la bonne épée. Et on est bon. Mince. Le stress. Et c'est une victoire. Oh, il y avait une tension sur cette dernière manche, parce que ça s'est pas joué à grand chose, et moi j'étais pas fier là, avec mon œuf que j'ai pas réussi à retrouver. Toi, ça va, hein. Franchement, on s'en sort bien. On a même un cran de marge. Oui, ouais. on est large. Parce qu'on sort quand même, disons-le, d'une partie dans laquelle on a perdu, mais alors largement. Hein. Je crois qu'on est 5 crans au-delà de ce qu'il fallait faire. C'est ça. Donc c'est une victoire brillante. On a pas mal de rêves et de cauchemars qui vont venir renouveler le jeu en fonction des tirages au sort. Est-ce qu'on peut en regarder quelques-uns? Bien sûr, pas de souci. Donc partage, celui qu'on a fait tout à l'heure. Tourni, ça va être l'inversion chez soi des deux côtés. Des deux extrémités. Ça va encore quand ça arrive au début. Le gros cadeau, c'est on prend 3 tuiles à soi qu'on va décaler ça, à notre voisin de droite. C'était dur, c'est horrible, ça. Et lui, il va faire partir ses 3 tuiles. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ça ne change pas l'ordre global de la frise de tous les joueurs, mais ça décale un peu les choses. Ça décale les débuts, les fins. Tu vas jouer chez l'autre, en fait. Ouais, il faut aller jouer du coup chez l'autre, donc c'est un peu... Et l'autre joue chez toi au début. Ouais, mais ça nous a un peu perturbé ça, on l'a eu dans la partie d'avant, mais c'était un petit peu compliqué. Donc dans les rêves, on a du coup Gripsou, on va devoir récupérer des tuiles trésors au début, celles qui ont des deux côtés trésors, vous avez peut-être vu. Chacun doit en prélever 3 avant de pouvoir fouiller. Donc ça va nettoyer un peu la boîte. Ouais, c'est pas plus mal ça. Mais tu perds du temps. Ouais. Parce qu'on a ces tuiles-là qui nous gênent énormément. Mais oui. En fait, c'est parce qu'il y a ces tuiles-là qu'on met du temps à trouver ce qu'on cherche. Ouais. Après, on a des petites règles qui font changer un peu la communication. Donc, on a le sommeil léger qui nous fait chuchoter. Donc, là, forcément, ça change un peu la dynamique collective. Et puis, on a la règle mauvais sac où là, on va se décaler d'une chaise qui perturbe un peu, même si finalement il suffit de jouer sur la place d'à côté. Parce qu'on place où on veut nos éléments. Ouais, exactement, c'est, vu que c'est full cop. Mais c'est un peu, perturbant quand même. Ouais. C'est ça. C'est un jeu où on joue beaucoup sur justement venir perturber un peu tous les éléments de mémoire. Parce que finalement la mémoire n'est pas si complexe que ça. Non, la mémoire on arrive à retenir relativement bien, surtout que vous le voyez, on fait des associations. Par exemple, moi ici je vous donne mes trucs. Il y en avait des trucs en fer ici au milieu. J'avais mes œufs de ce côté-là. Ces deux-là, bah, c'était en or. Ça allait bien. Et puis voilà. Après, je vais raconter une petite histoire. Voilà, des gens se racontent des histoires. Il y a vraiment plusieurs méthodes. Il y a des gens qui retiennent des couleurs, des formes, aussi, juste par des séquences. Ce qui est étonnant, c'est que ça fait appel à beaucoup d'éléments de mémoire. Et il y a aussi beaucoup de mémoire auditive dans ce jeu. Puisqu'on se parle et puisqu'on dit à haute voix ce dont on a besoin. Oui, moi je savais que tu avais besoin d'un cadre. Voilà. Par exemple. Même si tu sais pas où c'était, tu me l'as donné à un moment. Et en fait, c'est ça qui est assez marrant dans ce jeu, c'est qu'on travaille beaucoup la mémoire visuelle, mais aussi la mémoire auditive. Et tu peux être surpris de retenir aussi la frise de l'autre alors que toi-même tu joues. Et donner des trucs. Moi, à la fin, tienne, je la connaissais quasiment par cœur. Quoi. Moi, quand j'ai fouillé, là, je passais des choses aux autres joueurs plus qu'à moi d'ailleurs. Ah, moi, j'avais retenu qu'il y avait des histoires de beaucoup de la même chose chez Aline. Ouais. Mais c'est vrai que c'est avec deux boucliers, deux chaudrons. Ouais, je me suis beaucoup concentré sur moi. Je suis pas encore dans le collectif. J'ai des progrès à faire sur ce plan-là. Donc voilà, c'est un jeu qui se joue à partir de quel âge? À partir de 6 ans, à peu près. On peut l'adapter à 5 ans en fait, si on... Bah, en fait, simplement 4 cartes. Bah, juste que ça. Dire. Voilà. Là, tu mets moins de cartes et en fait, tu peux y jouer à 5 ans. Tu n'es pas obligé de mettre ça en plus. Si tu les plus petits, tu mets pas les cartes rêves ni les cartes cauchemars, tu fais 3 manches de suite à 4 cartes sans forcément en rajouter. En fait, l'avantage, c'est que tu peux adapter par rapport à ton enfant et l'âge. Mais en dessous de 5 ans, ça me semble un peu compliqué. Oui. Pour avoir essayé, c'est vraiment, ça marche moyen. Oui, et puis là on n'est pas en train de le conseiller aux parents qui ont des enfants en dessous de 5 ans, qui vont acheter le jeu, c'est pas la question, mais très souvent, les parents ont plusieurs enfants. Oui. Ça arrive, moi j'ai déjà rencontré des gens qui avaient plusieurs enfants, donc ils jouent forcément à ce jeu-là avec leur enfant de 6 ans, aucun problème, et puis le plus petit, il a envie de jouer. C'est ce cas de figure qui se présente souvent. C'est ça. Et c'est là qu'on va adapter, et c'est là que c'est agréable aussi de l'intégrer au jeu quand il a regardé les parties, parce que c'est une des meilleures façons pour apprendre le jeu. Rien à rajouter, je suis d'accord. Très bien, je retourne vers toi. J'aurais fait exactement ça, mais j'étais en train de le dire. Il suffit d'enlever des cartes, en fait. Ou même pour les tout petits, de laisser cartes visibles et faire juste de la correspondance terme à terme. On arrive à la fin de cette vidéo. On vous a présenté D'or, Dragon d'or.
le jeu du dragon dort qui dort. C'est très important quand même de avec cet élément-là qui est indispensable autour de la table. Et ça, ça ajoute quand même pas mal de plaisir pour les enfants. Hein. La manipulation était en train de faire exactement ce que ferait un enfant. Voilà, ce que font les enfants autour de la table. Ils sont contents d'avoir gagné, mais ils veulent quand même qu'il ouvre la bouche. Oui, alors je vais arrêter cette vidéo quand même parce que ça suffit maintenant. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Et moi, je vous remercie vraiment d'avoir fait le déplacement au chalet et de nous avoir présenté ce jeu. À bientôt. Ciao.